Il est arrivé. On va dire bonjour. Aileen! Samian, enchanté. Ce matin, j'ai googlé Cisco. Et ça disait la population, une personne. C'est vrai. C'est toi? Oui, c'est moi. J'ai le seul permis de conduire de Cisco au monde. Pourquoi Cisco? Pour plusieurs raisons. D'abord, je pensais que c'était l'occasion d'avoir ma propre maison. Personne ne voulait celle-là. Elle tombait en morceaux. C'était un désastre. Elle allait s'effondrer d'ici 5 ans si personne ne la réparait. Pourquoi pas moi? J'aurais ma maison. Ça me semblait impossible quand j'habitais en ville et que je travaillais pour payer mon loyer. C'est un sentiment de sécurité agréable. Personne ne peut me mettre dehors. Je voulais un domicile permanent et vivre une aventure. Je me disais que je pouvais toujours rentrer en ville si ça n'allait pas. Je ne crois pas que cet endroit a été pensé pour être permanent, car il n'y a pas d'eau ici. Ce n'est pas un endroit logique où s'établir. Je dirais que Cisco était destiné à être une ville fantôme. Il n'y a pas de cimetière. Je crois que je vais rester jusqu'à 40 ans. Je me donne encore 10 ans, toute ma trentaine. Pourquoi vouloir s'installer dans une ville fantôme alors qu'on sait que tout a été abandonné? Pour moi, c'est un terrain de jeu. Il y a des rebuts qui peuvent servir de matériaux partout. Quand je vois ça, ça réveille ma créativité. C'est vraiment sauvage. Je voulais voir comment je m'en sortirais dans un endroit comme ça. C'est encore un défi aujourd'hui. Ça me force à repousser mes limites de toutes les manières. Est-ce qu'on peut visiter ton terrain de jeu? Oui, bien sûr. Le studio d'artiste est ici. Tu loues cet endroit-là à des gens? Non, les artistes habitent ici gratuitement. On leur offre un forfait de 500 $ avec la résidence d'artiste. Donc, les artistes peuvent venir s'installer ici pour créer, tout simplement? Oui, exactement. Ils peuvent pratiquer leur art. On a accueilli des poètes, des cinéastes, des sculpteurs, des créateurs d'œuvres à grande échelle. Ils ont un mois pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est un ami artiste d'Aileen, venu peindre quelques semaines à Cisco, qui lui a donné l'idée d'en faire un lieu de résidence artistique. Tellement il avait apprécié le calme du désert et l'étrangeté de ce village fantôme. Aidé de sa sœur et d'amis, Aileen s'est dotée de formulaires d'application, d'un jury pour évaluer les demandes et même d'un conseil d'administration. Depuis quelques années, les personnes intéressées peuvent donc déposer leur candidature via le site web Home of the Brave.